Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3. On était en guerre contre Lothaire. Contre la Lotharingie, je ne sais même pas pourquoi, je sais même pas pour quelle revendication. La guerre a commencé il y a 9 mois. Ah si, ok, on s'était allié à je sais plus qui. On s'était allié à Lothaire, je crois. Par un mariage ou un truc comme ça. On était marié à je sais pas qui de sa famille et un délire du genre. Je me demande si on n'avait pas marié. Voilà, on l'avait marié à une de ses petites sœurs. Ok. Et on attendait exprès qu'il tombe. Pâche! Ah, il en a des troupes, le salaud. Ah la vache! Et il n'est pas tout seul. Hein. Ils sont 13 787, nous on a 7000 péons. On va le laisser tomber tranquillement. En espérant qu'il nous attaque pas. Voilà, non, mais on va dire logistiquement, on a eu quelques soucis, on n'a pas arrivé à. Recruter nos troupes, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le roi Paul de Sicile. Mais c'est mon gamin, ça. Mais non, non, mais il va pas, tu vas te faire poutrer. Tu vas te faire poutrer, tu vas pas comprendre. Accusez mon vassal, duc de Pierre, d'avoir une liaison extra-conjugale. Ah, bravo. Invitation à la chasse. Alors, duc Miron, il est où? Non, parce que, bon. Ouais, c'est bien, on va se rendre à la chasse. Alors au niveau de l'itinéraire, est-ce qu'il y a un truc intéressant à faire? Pas plus que ça. Alors je vais voir, parce que s'il prend la mer sur son départ là. Non. Et sur le retour. Le faire passer par là. Hein. Il prendra la mer pour le retour. Voilà. Ça lui fait partir 7 mois, c'est bon. Oh putain, je passe en plein territoire ennemi. J'ai déjà fait mieux comme. Comme plan. Est-ce qu'il nous rejoint? Non, 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 ce ne sera pas gratuit. Vous avez vu la tête du machin, il dit chevalier, il a moins de puissance que ma gamine de 6 ans. Bon, 68% là, si tu prends la capitale, ça devrait être bon, non? Héros local. Oui, on va créer un saint. Comme ça, les Occitans, ils m'aimeront encore plus. Oula, alors attends. Ça, je l'ai pas. Les femmes d'origine occitane. J'ai parcouru le monde et vu de nombreuses merveilles au cours de mes voyages, mais j'en ai jamais vu d'aussi belles qu'à Boussac. Les femmes d'origine occitane se distinguent vraiment des autres. L'une d'elles, une paysanne nommée Brandimena, je vais y arriver, est particulièrement fascinante. Elle est bien trop plaisante à mes yeux pour passer ses journées à labourer. Qui es-tu? Est-ce que j'ai toujours une femme? Oui, elle est toujours vivante. Bah non.
Désolé. J'aurais plus de femme. J'aurais dit ok. Mais là, elle est toujours. Est toujours en vie. Hein, donc, je ne vais pas. Je vais pas la tromper. Ok, un nouvel. Hop. Je se convertir le comté, le temps nécessaire, ok. Impact du niveau de dévotion. Pitié mensuelle par chevalier, plus 1%. Oh, ça m'intéresse. Gagner de la piété, plus on a de piété. Et plus on peut revendiquer des territoires, ça me va. On attend pour le. Pour la chasse. La chasse dans les Pyrénées, c'est sympa. On rappelle, on a un joli petit empire quand même. Par contre, je suis un peu dégoûté là. Le France, il n'est pas là. Le France en Italie, bon. C'est parce que c'est un peu trop morcelé en vrai. Proposer la vassalité. Vous avez une fois. Comment ça, on a une fois différente? What? Attendez. Pardon? C'est quoi cette dinguerie là? Comment ça, Blois, religion, acharisme? Oh la dinguerie! Mais quelle dinguerie! Voilà la chasse. Mais ok. Par contre, la Lotharingie a vraiment éclaté là, c'est ça? On va peut-être réussir une chasse au bout d'un moment aussi, quoi. Remonte-moi sur cheval, toi. On veut chasser. Hein, du coup. C'est pas possible. Voilà, faisons une embuscade au cerf. Le pauvre car a demandé quoi. Moins 63%, est-ce qu'il y a un siège à sa capitale? Oui, et bientôt fini en plus. Pas de chance, dis donc, tu es encore très mauvais. Et puis votre antiquaire. Ah merde, on a perdu un antiquaire, ça fait. Ah, on a des ramures de cerf, c'est cool. Non, c'est bien, ça va falloir que je regarde si je peux les équiper. Hop, alors on va nommer de nouveau courtisan, bouffon de la cour. Ah, il est bien en plus. Ok, impec. Je voulais voir quelque chose, je sais plus. Ah oui, j'ai appris le serbo-croate. Je vais apprendre le tchéco-slovaque. Voilà, très important, c'est bien de connaître plein de langues. C'est pas facile. Ouais, mais c'est très bien. Voyage en délice de paysan. Ah ouais. On va pas nauser à bon quand même. Et j'obtiens le très malade. Allez, on va essayer de goûter. C'était un très bon repas. Merci à toi. Bon, je vais vraiment le vassaliser lui, mais apprendre la langue, il parle quoi? Iranienne, mais c'est un abbasside? Même pas, même pas. C'est par là. Oh le délire! Oh le délire! Il vient de loin lui, hein! Oula, 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 oula! Plaisir d'étranger.
Toi, tu vas vite revenir avec moi. Hein. Voilà. Tu ne partiras pas pour les yeux d'une, pour les beaux yeux d'une dame, aussi beau soit-il. Vous tenez le très blessé. Ouah. On va essayer. Ah, je me suis fait blesser. Aïe 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 aïe. Vous avez obtenu blessure aggravée pendant un an? Ah, doucement, ça va trop vite là, ça va trop vite. Mon maître Caravanier Antoine a rendu l'âme. Il est mort de vieillesse. Moyen, bonne. Je sais pas, mieux. Aucun de ses choix n'est adéquat. En vrai, il y a mieux quand même que du bon, non? Dans mes choix. Bah non. Bon bah Fabrice, vas-y. Bon, j'ai perdu mon grand écuyer également. Fabrice, bah non, tiens-toi le duc. Cité des chevaliers plus 8%. Ça veut pas dire non. Bon, par contre, je suis malade. Enfin, je suis blessé. Je perds en redoutabilité. Je perds aussi en prouesse. Bon, déjà que j'avais pas mal perdu à cause de. De l'âge. Hein? Quoi? Ah, diplomatie. Ah, ouais. Non. 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 Main de fer, oui, si c'est bien là. Acceptation entre breton et français est augmentée de 1%. Mais bien ça. Mais très bien. Moins 96%, allez, allez, allez. 97. On est rentré à la maison. On est devenu un combattant expérimenté. 28, oh pas mal. Vous avez perdu le très blessé. Ça m'intéresse. Ok, c'est bon, ouais. Bon, je vais apprendre sa langue à lui. Pour pas avoir de problème au cas où. Peut-être essayer de le vassaliser. N'est plus votre médecin de la cour. Oh, mais c'est dingue ça. Faible, en plus, ils sont tous faibles. Mais ils sont tous en train de clamser un par un. Hein. Je vais commencer la recherche d'un médecin. La grotte sombre, oui Victoria, tu es brave. Moins 99, moins 100%, voilà, ça devrait être terminé bientôt. On va juste voir ce qui va se passer. J'ai encore perdu. Médecin de la cour, moyenne, moyenne, terrible. Oui, allez. Par contre... Même mon maître espion, quoi, il y passe. Ouais, c'est pas trop mal. C'est terrible. Quand tu veux. Ouais, il a repris des territoires du Danelaw. Bien joué. Ok. Voyons. Faudrait que ce soit elle qui hérite. On va commencer petit à petit, on va commencer parce que là, hop, hop, et hop. On va commencer un complot.
va assassiner les deux reines. Enfin, la reine. Et l'héritier. Et on va garder Princesse Mésuline, Mélusine, qui est mariée avec notre petit gars Paul. Désolé, mon ami. Pardon? Pardon? Je peux l'excommunier? Très bien. Donc elle est excommuniée. Et si elle est excommuniée, qu'est-ce qu'on peut faire? Garde excommunication. La rémission est déposée. Bah on va faire ça. T'as dit à qui? En duchesse de Grande Chefferie de Jungwagen. Je vois pas que c'est. Ah si c'est là. Ouf. C'est bon. Allez, on va lever nos troupes. Pour le bien de la foi, j'étais prêt à l'assassiner, hein, mais bon. Le roi Siméon, oui, tu veux venir pour le bien de la foi. Excellent, excellent, excellent. Voilà. Et on va faire en sorte que ce soit nos petits-enfants qui hériteront du royaume de Lotharingie. Et que ça devrait. Allez, c'est parti. Ouais, ils sont faibles en plus là, Lotharingie. Ah! Mon dirigeant, je vais aller protéger nos terres quand même. Oh, attendez, qu'est-ce que je vois? Je peux faire de la construction. Disons, je peux faire plein de constructions. Ah oui, on a rajouté une case. Oh, trop bien. La cité 2. Faire des murs et tours. À Rouen. Fort forestier ou ouais, fort forestier ici. On a déjà un fort forestier, enfin un fort. Ça ou terrain de chasse? On va faire ça, allez, un petit terrain de chasse. Bon. Pareil. Évreux, Évreux, Évreux. J'ai des troupes qui sont stationnées à Évreux, non? Évreux, mais zone agre. Je crois que j'ai rien pour améliorer les zones agres. Enfin, un port.
À Lisieux, à Lisieux, à Lisieux. J'ai personne. On va faire un petit port, hein, c'est ça? Alençon, on va faire fort sur colline. Qu'est-ce que quoi? C'est une cité? Pourquoi je le vois Argentan comme ça? Pourquoi il y a une baronnie Argentan? Qu'est-ce que. Mais arrête! J'ai bailli à Rente. Oh la vache. Ah si, parce que j'ai fait l'ordre sacré. Ah bah ça va. J'ai failli faire une bêtise. Mur et tour, parce que j'en ai pas. Ici. Avranches, est-ce que j'ai des troupes stationnées? Je sais toujours pas. Évreux-Rouen, Orange. J'ai de la cavalerie légère, donc si j'ai de la cavalerie légère, on va faire des écuries. Ça va augmenter leur efficacité. Ensuite, là, mur et tour. Arène, mur et tour. Non, avant-poste, forestier, non. En poste forestier, à Vannes c'est bon, à Saint-Brieuc c'est bon, et à Brest, on va rien faire, Brest. Ah, c'est pas encore considéré comme étant français, mais c'est breton, ok, c'est pour ça. Ok, là on va essayer de rattraper les troupes de notre ennemi. On a une bonne vitesse de déplacement en vrai. Là c'est tranquille. On arrivera à temps. On devrait gagner facilement. Bonjour à toi. Notre duc a été blessé. Ah ben, bravo. Bon, au moins, on a réussi à capturer le. Enfin, à désinguer la troupe ennemie, je veux dire. Ouais. Rançonner, non. Surtout qu'ils ont plus d'argent. On est à 33%, c'est propre, c'est propre. Magnifique tout ça, franchement. C'est vrai qu'il a pas mal de territoire chez nous, hein, purée. Ah. J'ai perdu ma femme. Bon, j'aurais toujours été fidèle. J'ai des héritiers, pas trop, pile ce qu'il faut. J'ai pas vraiment envie d'en faire plus. Ok. Ça me dit quoi là? J'ai fini le siège de sa capitale et je suis qu'à 45%. Oh. C'est compliqué là. La mettre.
En fait, tant que j'arrive pas à choper la reine, je sais pas où est-ce qu'elle est par contre, ça va être compliqué. Mais on va. Ouais, tiens, on va regarder où est-ce qu'elle est. Où es-tu? Ouais, bah t'es à Luxembourg, mais j'ai pris Luxembourg. Comment ça, j'ai pas réussi à t'avoir? Bah. Bah si, en plus! Bah je l'ai... Ok. J'ai réussi à la capturer, mais... Le roi Pépin 2. Pour rejoindre le camp adverse. Rejoins le camp adverse, Pépin 2. Je prendrai ta place de roi. Essaye donc seulement. Bon, j'ai appris l'iranien. C'est comme si c'était fait. Bon, bah, ça me donne rien de plus. Hein. Ça me donne un territoire. Je peux pas réussir à choper un comté ou quoi que ce soit plus. C'est vraiment pas cool. Je vais faire ça pour Blois. Je pourrais lui choper cette terre. On ira sur la Maronie de Bouillon après. Vos couleurs. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je prenne vos couleurs, 9 châteaux, etc. Allez. Toi, c'est bientôt fini, on va t'envoyer à Clairvaux. Enfin, dès que c'est fini. Attends, ah voilà du monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Cherchez justement des copains avec qui s'amuser. Oui, voici l'idée, le Balm Philippe. Alors, attendez un instant, tu es où toi? Croatie. Ah, intéressant. Pourquoi il voudrait pas plus? Pas son... Ah, différence culturelle, ouais. Je proposais la vassalité. Alors. Hop, atout, prophète, ouais, ça c'est bien. Plus de fois. Hop, 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 qu'est-ce que je viens de voir là? Comment ça, armée hostile? Armée de Provence? Je les ai pas vus venir du tout. Hein. Bon. On va recruter du mercenaire. Hop. 3800 contre 2000, ça devrait être bon. Je les avais vraiment pas vus du tout. Hein. Donc j'ai vassalisé la Croatie. Je suppose qu'on peut vassaliser plus de territoire. On peut vassaliser le duc pour une machin. Même si c'est des obligations féodales basses, je prends. Donc le duché de Savonie. Hop là, ça s'agrandit encore. On peut créer des titres, j'ai pas assez d'argent pour créer ces titres. On a capturé encore du monde. On peut modifier des contrats. Fils et petit-fils. Ça ne m'intéresse pas. Alors toi. Tac, tac, tac.
Attends, mais comment ça? Pourquoi ils sont ennemis? Et ils vont piller mon ennemi. Il y a une couille dans le pâté. Une couille dans le pâté, bon. Là-bas, j'ai gagné. Je vais diviser ici mes troupes. On est à 80% au niveau de l'avancée là. Donc ils sont neutres. Donc on divise à fond nos troupes là pour. Ce sont pas des pillards là-bas? Là il ne veut pas. Est-ce que je peux essayer de vassaliser autre. Ok, non, ils peuvent pas. Ils sont en train de se taper sur la tronche. Oh la vache. Ouais, il veut pas lui. La Valachie, bon, ils vont pas vouloir forcément. En plus, son allié donc. Balaton. Ah, on est pas sur la Summer League. Au gouvernement n'est pas tribal. Ok. Ok, j'ai fini à 3, j'ai fini. Déjà? La vache, c'était plus rapide que ce que je pensais. Hop ici, direction 9 châteaux. Ah, attendez, pas direction 9 châteaux, là il y a du monde là qui arrive. Ok, notre duc a blessé un des leurs. Ils se défendent pas mal. Rien est amélioré. Ouais, on va. Ça m'intéresse pas. Alors, une petite amélioration à Rennes, on peut rien faire d'autre. Hein. Dommage. Ça m'intéresse pas non plus de suite. Est-ce que je l'ai? Oui, non, allez. Avec le peu qui me reste, il me reste 5%. Là, j'ai un siège. Ah, j'ai un siège qui est autostationné. Voilà. On a ce qu'il faut pour excommunier la reine. On appuie nos demandes, on gagne de la foi en plus. Donc la reine actuelle, c'est la reine Mélisande. On appuie nos demandes. Avec le roi Lothaire. Ah oui. Comment ça, alliance formée? Ah oui, non mais c'est normal. Et le pauvre petit roi Lothaire, il veut pas rester très longtemps au pouvoir. Hein. Eh ouais. Attends, comment ça, il est en guerre contre qui là? Se défend contre le duc de Provence. Guerre de libération. Oh! On va voir ce que ça donne. Et ensuite, au besoin, je le ferai assassiner. Mais là, il est mal en point, hein, plus. Hein. Il est à 80... moins 93%. Avant qu'on remplace juste de Hongrie. Hongrie? Il vient de loin, lui. Moins 94. Aïe, on perd en plus. Oh, c'est bon ça. Payer la rançon. Oui, c'est vrai, tiens, je vais rançonner mes.
Mes prisonniers. Attends, mais c'est où? Ils ont des duchés, je sais même pas où est-ce qu'ils sont, quoi, les mecs. Ah, ok, dans les Flandres. Oui, bah je vais le rançonner, hein. On va pas me rançonner ce qu'on peut. Toi, un hameçon, je m'en fous, c'est-à-dire que t'es personne. Toi, si t'as des thunes, vas-y, file. Toi, j'ai déjà demandé. Oula! Toi, tu n'as pas la même religion que moi. Et toi, on va te relâcher. Alors, ne faites pas ça chez vous. Non, 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 et non. Attention, ne faites pas ça chez vous. En fait, vu que c'est une foi considérée comme hostile, je peux le tuer, et normalement. Là, je suis à 15 de redoutabilité, si je dis pas. Alors, je vais pas tuer un gamin, quand même. Je vais tuer lui, il faut pas déconner. Je gagne pas de redoutabilité? Attendez. J'ai vraiment pas gagné de redoutabilité là. Ah, j'étais persuadé, non, bah, je vais les relâcher. Hein. Surtout des gamins, quoi. Bon, bah, autant pour moi. Il me semblait que tout ce qui n'était pas chrétien, je pouvais les exécuter et gagner de la redoutabilité. Merde. Bon, bah, ça, je m'en souviendrai. Bon, ils me doivent des faveurs, je préfère ça. Moins 96%. Le royaume de Lotharingie. Il casse. Ah, ça me met très bien. Parce que je vais récupérer ces territoires. Mais ça, bah, on le verra dans le prochain épisode. Ça fait déjà 38 minutes, j'ai pas vu le temps passer. Bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous propose d'avoir le dénouement de ce qui se passe en Lotharingie lors du prochain. Et je vous dis à très bientôt, c'était Thiob.